Vous savez, vous dépendez totalement de vous-même. Je vous avais prévenu, en fait. Je vous avais dit que vous alliez rencontrer de l'adversité. Je vous avais dit. Ça fait quelque temps que vous m'écoutez. Vous commencez à croire en vous. Vous commencez à comprendre que ce que j'ai dit, c'est pas seulement. Je ne fais pas seulement du bavardage sur Facebook. Parce que j'ai des personnes qui vivent ce que je dis, qui appliquent ce que j'enseigne. C'est parce que j'enseigne. Chaque fois qu'ils me connectent, je vous enseigne. Et vous commencez à voir comment votre vie change. C'est pas la blague. Je vais parler aux gens qui veulent changer leur vie. Je ne suis pas là pour vous vendre un produit ce soir. Vous devez vous faire confiance. Si tu es encore approuvé par tout le monde autour de toi, gars, tu n'es pas sur le bon chemin. Je dis souvent à mes employés, écoutez, toutes les tâches que vous accomplissez dans cette entreprise, moi, je peux m'asseoir et faire ça. Que personne ne soit indispensable dans votre vie. Parce que c'est ça qui vous bloque. Qu'est-ce que je peux faire sans lui? Qu'est-ce que je peux faire s'il n'est... Ah, s'il ne reste pas là-bas, il va partir où? S'il ne couche pas avec lui, il va faire comment? Qui va payer la pension de mes enfants? Voilà ce qui vous bloque. Tu n'as pas de vision. Tout n'a pas comme tu es arrivé en France, là, c'est fini. Donc, tu as accouché pourquoi tu vas en France? On t'a accouché, donc ton but dans la vie, aller en bain. Coco Ali, ne t'inquiète pas, je vais te bloquer, tu as compris. Tout ton but. Ouais. Ouais, quelle est. Vous savez que les hommes vont vous menacer ici dehors. Personne ne soit la pièce maîtresse de ta vie. Parce que cette personne-là, par amour ou par désir de te protéger, et la protection, c'est de l'égoïsme en fait. Je ne veux pas que tu avances. Je ne veux pas que ton entreprise de chaussures avance. Je ne veux pas que tu fasses 1 million d'euros de chiffre d'affaires ce mois. Il ne veut pas que. Oh non, tu travailles trop. Oh non, 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 non. Repose-toi. Oh non, t'en fais trop. Ta vision, elle est trop. Tu veux prendre une maison de 200 000 euros. Tu veux payer la maison là en un an. Que tu es qui? Écoutez, hein. Ah! Je veux que vous conceviez les idées que vous n'avez jamais conçues dans votre vie en m'écoutant. Votre problème, c'est que vous dépendez toujours des gens. Il va me donner l'apport financier de 10 000 euros pour que je ne pas prêter. On va me donner 50, 75 000 euros. Tu comptes sur lui. Pardon, ma chérie. Unfollow me. Quitte ma page. Quitte ma page. J'ai dit à quelqu'un ce soir que l'argent pour moi c'est comme la respiration. Il fait. Je suis sûr que dans 1 seconde je vais encore respirer. Je suis sûr que l'air va encore venir.
Que personne ne vous mette dans une boîte. Ah, ma chérie, tu sais, faut acheter ta petite voiture. Tu construis ta petite maison. Dans ton petit quartier. Avec ton petit mari. Pourquoi ils viennent mettre leurs étiquettes de petit sur toi? Si vous faites vos projets et votre banquier dit, oh, ça c'est madame, c'est bien. C'est trop bien, madame. Ma chérie, tu n'as pas encore rêvé grand. Tu n'as pas encore rêvé grand. Tu n'avais pas le crédit de 250 000 euros. Tu dis au banquier, je viens dans 3 mois te rembourser. Il dit, madame. Mais madame. Mais je n'ai pas encore vu ça, moi. Tous les 6 mois, tu cherches une nouvelle maison. Pas les gens vont t'impressionner avec la maison de 300 000 euros. Il est connu, non? Acheter la maison de 300 000 euros, tu le vois comme un dieu. Tant que ton esprit ne conçoit pas, tu ne peux pas arriver là-bas. Vous allez limiter avec votre petit salaire de 2000 euros le mois. Tu vois combien de décennies il te faut pour payer quelque chose de 250 000 euros. J'ai la rage ce soir, j'ai la rage. Je n'aime pas qu'on essaie de me mettre dans, on essaie de me mettre dans une case ce soir. Ça m'a donné la rage. Qu'est-ce que vous savez même qui je suis? Et comment vous connaissez? La reine Jocelyne. Si vous saviez. Jésus restait sur mon site que si tu savais qui te parle. Il allait à côté du puits. Dans Jean chapitre 7. Il rencontre Adam et dit, if you knew the gift that is in front of you. Si tu savais qui est devant toi, ma chérie. Le Messie de tous les temps qu'on attend depuis 700 ans. Écoutez, je suis la personne que vous attendiez. Ma chérie. Le feu que je souhaite mettre dans vous là. Quand tu m'écoutes comme ça, là, ton corps brûle. Tu brûles. You cannot tame me, boy. Tu ne peux pas m'attacher, tu ne peux pas m'arrêter. Et je vous transmets ça. C'est pas tout le monde qui doit connaître tes projets. Non. Ils doivent savoir à titre informatif quand la procédure est à la fin. Tu es arrivé, tu les as trouvés en Europe. Ils ont parié sur toi. On te donne 5 ans, tu vas souffrir. Dans 2 ans, tu n'auras plus les papiers. Dis-leur qu'écoutez-moi, regardez-moi bien. Dites-leur ça. Watch me. Watch me. Vous n'avez pas encore vu une femme comme moi ici en Europe. Il serait député, il serait maire, il serait gouverneur, première femme noire présidente de la République. Je vais devenir. Son abeille se bloque dans un petit coin, même à prendre la langue, ils n'apprennent pas.
Tu viens, tu veux rester avec eux. Tu pars où? Tu pars rester avec eux, tu pars où? Même pas un ami blanc. Il ne parle pas la langue. Tu n'as pas besoin de papier pour apprendre à parler la langue d'un pays. Quelqu'un là, il voit 150 000 euros. L'argent qui va prendre 50 ans pour travailler, économiser. Toi, tu te places devant et tu dis que regardez-moi bien, j'ai 26 ans. Mark my word. À 30 ans, je serai millionnaire. J'aurai des millions, pas un millionnaire. Non, je serai dans les centaines de millions d'euros. Vous êtes classé avec eux. Parce que vous marchez, vous écoutez leurs paroles. Écoutez, quelqu'un m'est énervé ce soir. Quelqu'un m'est énervé. Tu es la personne que tu me connais. Je suis la fille la plus imprévisible que vous avez vue de toute votre vie. Quand vous pensez que là, voilà, on a mis là-bas, je sors, je me mets comme ça là. Vous devez appeler, on appelle ça holy anger. You need to have your holy anger. Tu as ta colère sainte. Je reviens comme ça de l'usine. Je reviens, il est quelle heure? Je suis arrivé chez moi à minuit. 1 heure moins 15. Que personne ne pense. Non, la colère parfois est nécessaire. Quand il me fâche, mon argent avance. Mon argent augmente, je vous assure. Quand il me fâche, mon chiffre d'affaires va augmenter. Je ne me fâche pas pour les petits trucs. Fâche-toi, tu achètes la Cayenne, ma chérie. Fâche-toi, tu achètes une maison de 150 000 euros, tu paies ça en 6 mois. Dis que yé, la fille, on l'a simplifié. Hein? On t'a trop simplifié. On t'a trop simplifié. Ils ne te connaissent pas. Ouais, Seigneur, Seigneur, yé, 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 yé. Hey, laissez. Si vous pouvez voir le petit, vous voyez ce qu'il fait. Hein, ou, si vous voyez les 1% de ce qu'il y a dans ma tête. Qu'elle reste quelque part comme ça là. Mon cerveau commence à m'en pom, 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 pom. Tac, 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 tac. Multiplication d'argent. Vous me parlez de quoi? Tu vas t'asseoir avec un salarié, tu vas parler de quoi? Tu vas t'asseoir avec un salarié, vous allez parler de quoi? Les choisir, hein, vous fonctionnez avec l'énergie. L'énergie, c'est l'argent. Je vous dis souvent ça. Ma mission première, c'est de garder mon énergie au top. Je peux bosser 24 heures d'affilée. Hein. Je consulte. J'ai fini le soir, il fait les déchets. J'ai fini après pour les consultations en ligne. J'ai fini après. Ouais, trouvez-moi alors. Après ma soirée, j'enregistre encore les programmes. Parfois, vous me voyez sur les vidéos direct ici, là, mes yeux sont rouges. Que va te reposer. Va te reposer. Je dis, bon, quitte là-bas. Va me reposer quoi? Je me couche à 3 heures de temps. Boum! La batterie est rechargée. On va essayer de vous mettre dans les boîtes. They will put you in boxes. Ton ex là qui est sorti avec toi. Quand tu donnais les idées qui partaient faire, il ne partait pas faire. Le temps là, tu doutais encore de toi.
ma chérie, toutes les idées là, ferme ta bouche. Prends, tu vas mettre ça en application toi-même. Toi-même, va t'asseoir, tu fais ça. Tu vas voir en 6 mois. Il va te voir, il sera à pied. Tu passes dans la voiture comme ça là. C'est même à l'arrêt, c'est même au feu qui te voit, ma mère, parce que sinon je n'aurais même pas. Et même au feu. Tu vas te traverser, tu vas te dire. Tu peux se mettre tes lunettes. Comme par hasard, il t'a vu. Hey, bonjour. C'est ta voiture. On t'a promis au boulot. Non. Tu t'as pas le business que vous voulez faire là, non, il y a cela un an. Oui, c'est ça qui a donné. Demande ton numéro, non, ton nouveau numéro. Pour aller où? Pour aller où? Decepticon. Decepticon. Soyez smart. Soyez smart. Tu es sharp et tu es smart. Moi, je ne blague pas. Je suis là pour pointer. Point à la ligne. Tout le reste là, c'est les bobards. Je vous mets en second plan. Tu peux voir, moi, voir sur le téléphone que je flirte avec quelqu'un. On flirte quoi? T'es des paroles de l'argent. Ça va me construire mes trucs et me construire. Mouf faudé. Ne laissez personne vous mettre dans une case. Personne n'est important dans votre vie. Personne n'est une pièce maîtresse de ta vie. Et moi, je dis toujours, by the time you're gone, quand tu claques la porte là, que claque, que tu es parti. Si tu avais oublié quelque chose, tu reviens dans une heure. Que j'ai déjà refourni l'appartement là. Que l'appartement est déjà fourni. Tu pensais que je n'avais pas l'argent, non? Je t'avais caché 75% de ce que j'ai fait et que j'ai. Devenez imprévisible. Devenez imprévisible. Écoutez, hein, je vous parle comme ça là. Les paroles que je dis ici, c'est la clé de votre vie. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas encore. Les hommes sont venus dans votre vie avant. Ils vous ont menacé parce que vous ne saviez pas qui vous êtes. Ils vont encore venir. Ce n'est pas votre argent. Vous êtes en train de m'écouter, non? Votre argent a commencé à augmenter, non? Votre argent a commencé à augmenter, non? Attendez. Ils vont venir en plein. Tu fais comme ça là. Je pense que. Listen. J'ai une légion derrière moi. C'est pour ça que vous devez activer votre connexion divine, tes oreilles. Le message divin passe toujours entre 4 heures, 3 heures comme ça et 5 heures. Tu dors à 3 heures, 5 heures, tu dors quoi? Tu te réveilles.
Ok, tu vois, non? Tu vois l'endroit là, non? Va maintenant là-bas, tu pars, tu déposes là-bas. Achète là-bas maintenant, tu pars vendre là-bas. Fais comme ça, là, tu pars là-bas. Tu fais un peu comme ça, là. Tu vois une petite vision. Tu devrais en train de vendre les chaussures. Oui, tu devrais en train d'acheter un truc là-bas. Tu écris, tu écris. Vous ne connaissez pas, utilisez vos dons pour faire de l'argent. C'est pour ça que vous allez souffrir. J'ai peur de me lancer. J'ai peur de me lancer. J'ai peur. J'ai fait comment? J'ai fait, je ne fais pas. J'ai fait, je ne fais pas. J'ai fait, je ne fais pas. Les 1 mois que tu as tourné là, les gens ont déjà fait 3 fois le chiffre d'affaires que tu aurais pu te faire. Ils ont fait 4 fois ton salaire. Moussa, bonsoir. Enlevez les limites de votre esprit. Tu touches combien par mois actuellement? Et si tu mettais 2 zéros à côté? Et que dans 3-4 mois, tu peux avoir ça. Chaque mois. Tu vas jeûner 50 ans. Hein. Si tu jeûnes, tu n'agis pas. C'est zéro. Jeûne. Prive-toi de tout l'entier de la terre. À la fin, si tu le fais parce que c'est un espoir de le faire là, tu vas mentir. Je vais enlever la religion de votre esprit. J'ai jeûné. Mon argent va venir. Lance le business là, l'argent va venir. Faites avec vous. Blablabla. Il vient quand moi, quand il dit les choses importantes, ne quittez pas vos salutations. Mich, Yemel, je vais vous bloquer, il ne blague pas avec vous. Tu dois rester un soir comme ça là. Tu te demandes, est-ce que je suis venu accompagner les gens sur la terre? Donc depuis 10 ans que je suis au travail, je ne vois rien. Something must change. Tu sais qui doit changer? C'est toi, ma chérie. C'est toi. Blanche-Neige, ne crie pas aux gens qui m'écoutent. Écoute-moi, tu changes. Je sais que ce que je dis marche. Je n'ai même pas besoin de vous commenter. Mais si vous ne commentez pas, quand j'espère, moi-même, je sais que ça work. Vous comprenez, non? Une femme m'a appelé aujourd'hui du Canada. Tu sais, on a parlé en novembre, tu m'as consulté. Tu m'as dit d'aller parler aux ancêtres, de verser le sel, de verser le riz, de parler, de demander l'enfant. Le mois qui a suivi, je suis tombée enceinte. Elle dit que je suis à 3 mois de grossesse. Il dit, maman, tu m'as appelé pour me dire que tu es tombée enceinte. Que vous témoignez ou pas, hein, mes choses marchent. Même si c'est moi sur moi et sur ce témoin, ça marche. Quand elle commençait à vendre mes kits de célébrité, huile de célébrité, les gens commençaient à dire que, wow. Écoutez, j'utilise mes propres choses. Quand vous n'arrivez pas à me parler là, j'utilise mon huile de célébrité moi-même. C'est comme ça que vous m'avez connu. Même dans le sommeil. Donc c'est dans mes os, c'est partout sur moi. Je ne peux pas échouer. I cannot fail.
cannot fail. What are you talking about? Marina Lopez, ça va déjà. Ça va aller quoi? Je vais te bloquer. Tombe 10 fois, tu te lèves 15 fois. Tu la rages. Léandre, si les gens font, ils ne viennent pas témoigner, tu veux que les forces? Moi, je peux vous donner mon témoignage. J'avais 15 000 abonnés en août et septembre et octobre et novembre 2021. En décembre, j'ai utilisé l'huile de célébrité. Tout d'un coup, tout à coup, soudainement, virgule, ma célébrité a percé que pian. Seigneur, moi aussi je me plais. Je me plais moi-même. Alvin Coupou ne coupe pas derrière les gens. Élève ton énergie et ta vibration. On ne coupe pas derrière les clients. Les clients viennent à toi. Quelque chose en eux leur dit qu'ils doivent venir à toi. Alvin, est-ce que j'étais là avec toi à distance? Tu es dans quel pays? Canada? Kevin Nimdo, tu dois appeler, on te dit. Tu appelles, on ne décroche pas, tu laisses. Tu as compris, non? Merci, Anne. Blanche Neige, je me suis dit, je n'ai pas d'accord avec moi. Il m'en fout. Je ne suis pas sur Facebook pour demander votre approbation. J'ai arrêté. Quand quelqu'un dit, oh, je suis d'accord avec toi. Il dit, non. Don't be d'accord with me. Je ne cherche pas votre approbation. Je vais organiser les conférences. Si tu n'as pas la Cayenne, ou la Lamborghini, ou le jet privé. Donc, je vais donner même 5 modèles de voitures que tu n'as pas, tu ne passes pas. Tu me dis qu'elle a appelé pour annuler maintenant. Si elle est en contre-temps, pourquoi je ne vois pas avec elle? Michel, tu es pauvre, tu as compris? Mais les méga, tu parles des méga ou là? Mon Valérie MG, I am too proud. I don't like myself. Hey, j'ai fini avec. Ça ne te plaît pas? Hein? J'ai fini avec moi. Il dit que j'ai fini avec ce l'autre là. I am too proud. Tu as compris? Vous n'aimez pas quand les gens sont sur deux. Hey, les Camerounais. You are too proud. I am. Va te coucher, tu dors. Tchèi. Les Decepticons. Quand tu vois quelqu'un heureux, je dois dire quelque chose ou faire quelque chose qui veut. Je dois. Tu n'es pas censé être comme ça. C'est
C'est pour ça que tu restes comme ça. Il nous a fermé, fermé. Comme ça. Non, mais le soir, c'est là. Yeah, yeah. Je sais même pas vraiment. C'est un petit con. Vous allez comme vous voir rire. Vous allez me voir monter. Vous allez venir me voir. Encore. Et vous savez combien de Decepticons j'ai ici là? Si vous saviez, chaque jour je me regarde, l'on garde quoi? Comme ça là. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas commenter. Par exemple, si comment ils veulent les bloquer. Et après, ils ne pourront plus me voir. Ouais, Seigneur. Profitez, enjoyez votre victoire. Quand tu passes les nuits, tu ne dors pas parce que tu es en train de bosser. Personne n'est avec toi. Personne, qu'on te frustre pas sur ton argent, ma chérie. Qu'on te frustre pas sur ta beauté, ma chérie. Parle-moi de quoi? Tu vois, c'est le qui veut. Il y a des gens ici là que si une minute, on vous donnait la beauté que j'ai là. Hein? C'est qu'on ne respire pas. C'est qu'on ne respire pas. Comme tu as des gros gros boutons sur le visage là. Tout ce que tu peux faire, c'est venir m'insulter. Tu peux faire quoi d'autre? Eh, hey, je vous dis la même fois qu'on a un. Pointez-vous, parlez. Il y a les filles ici dehors que si on te donne même seulement. Donc, pour une journée, on te donne l'argent. La voiture. Est-ce qu'on va respirer ici dehors? Maman Moussa, je planifie vraiment ma roi. Hein. Vraiment. Marois là, ça m'intéresse bien. Parce que c'est que vous. Il y a des gens fidèles à Marois. Quelqu'un commande un produit, on lui poste ça, ça qui dit ça. Ça voyage jusqu'à Marois. Oui, celle de Paris ne me représente plus. Ça veut dire que tu ne me suis pas depuis. Il y a une nouvelle représentante à Paris. Son numéro est sur cette vidéo. Tu ne peux pas regarder, tu laisses mamie. Tu as compris? Voilà. Moi, il ne blague pas avec vous. Je vous dis moi mes choses. Oh, hein. Il y a les gens que si une minute, tu avais la beauté. Mof. Mof. Est-ce qu'on respire? Maman, les statues. Maman. Pour être représentant, il faut au moins faut pas, au moins 2 millions de francs CFA. Moi là, je ne fais pas les petits deals. J'aime l'argent. Donc quand j'ai des 2 millions, tu m'appelles. On va parler business. Je parle avec les femmes qui sont prêtes. Pas parler avec vous. Mais mes gars vont finir. Non, mamie, pardon. Excuse ma vie. Excuse-moi. On vous a trop endormi. On vous a trop endormi. Tu es là, tu souffres dans ton petit boulot de nuit. 2500 euros. Ah! 2500 euros. Ah! On t'a griffé. On t'a insulté la nuit ici. Les vieux pères là t'ont même giflé. Je vais faire comment? Je ne peux pas laisser le boulot aussi. Je ne peux pas. Quand le réveil sonne, tu sais que tu vas partir au boulot et tu deviens malade. Ton ventre commence à s'attacher comme ça là. On a les kits sont à Washington. Les kits sont à Washington. Donc les gens du Maryland, là, vous pouvez avoir ça. Je
C'était comme ça, là, tu dis que vous ne connaissez pas qui je suis. Quand il venait en Europe, je rêvais d'être. Je me lance derrière le rêve là. Qui t'a dit que c'est trop tard? Qui t'a dit que c'est trop tard? La pauvreté n'est pas bonne. Hein. Fait souffrir. Tu es fatigué. Tu dois attendre août pour voyager. Tu ne peux pas faire. Tu as froid. Tu peux pas faire ce que tu veux. Et peu de cette demain, là, il me lève et pas dans n'importe quel pays, ma soin. Mon argent ne souffre de rien. Ça fait plaisir de savoir que tu te lèves le matin, tu penses à quelque chose et tu fais. Tu penses à faire une extension sur ta maison, tu fais. Tu n'as pas besoin du permis de bâtir. L'État va analyser pendant 6 mois avant de te dire. Tu pars déposer ton application au home office. Tu payes les 1000 pounds qu'il faut au-dessus. On te reçoit le même jour, on te donne ton passeport le même jour. Tu n'attends pas 10 mois, 1 an et demi pour voir. Il y en a parmi vous et vous savez que vous n'êtes pas censé être pauvre. Vous savez. Quand tu comptes les petites pièces là, tu sais que ce n'est pas ta part là-bas. Marina Lopez, bye. Tu as compris? Il ne bouge pas moi les followers. Hein. Tu dis un truc qui ne va pas, il te bloque. Oui. Ne parlez même pas. Laissez-les parler seul. Je vous dis que je suis dans ma sainte colère ce soir. Je suis fâché, ça me plaît. Parce que quand il me fâche, on sait, c'est que les jours qui arrivent là, je vais cartonner sur certaines choses qu'elle. Problème de quoi? Souvent, quelqu'un a dit qu'il n'a même pas 50 000. Il arrive à l'hôpital, on lui dit que monsieur, il faut 5 millions pour vous opérer, sinon vous mourrez. En 3 jours, il va trouver les 5 millions. Daftan, Daftan. Si tu as 2 millions de francs CFA, tu me tiens. À partir de dans maximum 4 jours, on va t'envoyer les produits. Moi, je parle cash, je parle l'argent. Donc, si tu n'as pas encore de commentaire ailleurs, ne dis-toi rien. Laisse. On vous a trop limité. Et ton meilleur ami, c'est toi. Parce qu'il y a les visions et les idées que les ancêtres vont mettre dans ta tête. Que parfois, tu ne m'as même pas osé dire à quelqu'un. Tu ne peux que venir sur ma page ici-là. Tu m'écoutes, ça te plaît. Tes idées s'élargissent. Mais dès que tu t'assois avec ton mari, Ticone là. Tu dis ça, tu dis un peu au mari, Ticone, le mari, Ticone fait. Mais comment tu vas trouver l'argent pour ça? Mais bébé, moi, j'ai pas l'argent pour ça. Léandre, tu peux me représenter à Lille. Tu as compris, non? C'est possible. Je vais vous checker. Condition première, avoir un cœur pour aider les gens. Condition deuxième, avoir l'argent. Tout ça finit par Jean-Jean. Oui. Troisième condition, utiliser mes produits déjà. Si tu n'as jamais utilisé mes produits, tu laisses. Tu ne peux pas. Ce n'est pas un truc seulement pour se faire de l'argent. Ça donne l'argent. Mais il faut avoir la volonté aussi.
tu restes dans ta tête. Ma cacu, ma plan, ma cacu, ma plan. Tu conciles l'immeuble dans ta tête. Tu montes là, pam, 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 pam. Yes. Tu commences à mettre l'argent de ça de côté. Tu achètes la maison que tu loues là. Demandez à vos bailleurs demain combien leur maison vale. Vous payez ça en 6 mois. Et 300 000 pounds. Tu dis, yes, I'm going to pay for this. 300 000 pounds, c'est 1 000 pounds par jour pendant un an. C'est tout. C'est pas compliqué. 1 000 pounds chaque jour pendant un an. Et tu achètes la maison 300 000 pounds. C'est, ils vont vous mystifier les choses. Tu dois passer par la banque. Tu dois faire ceci. Qui vous a dit ça? C'est bien ça, Chavli. Tu arrives quelque part. Et le truc, c'est que quand tu es comme ça, hein, les gens trouvent voler tes idées. Je leur dis parfois que prenez le gâteau, mais vous ne pouvez pas prendre le fou. Je fais les gâteaux. Je fais les gâteaux. Venez, je vous fais l'autre et vous donne. À des mecs cakes, à des becs cakes. Je suis le fou. Donc tu peux pas venir me voler, tu pars avec moi. Je suis. I am. Tu arrives dans une relation avec un homme, il prospère. Tu quittes, tu parles dans un lieu de service, il prospère. Tu ne fais pas la connexion, ma chérie. C'est toi. C'est toi le trésor. C'est toi qui as la main d'or. Quand tu touches, ça brille. Pourquoi vous vous doutez de vous? Je sais que mes paroles vont changer la vie d'une femme ce soir. Je connais. Parce que les hommes ont tous été changés. Je suis en train de changer la vie de quelqu'un par mes paroles. Et même faut que j'ai vu tes commentaires, mais je suis au pointage. Tu as compris, ma chérie? Je vais bien. Moi, je suis au pointage. Quand ils pointent, mes amis d'enfance ne me distrayent pas. Voilà. Quelqu'un vient, il prend ton idée. Il vient, il prend tes clients. Tu ris. Ah ben c'est tout. Tu peux que venir me prendre 50 clients. Écoutez, quand Jésus a dit, My sheep know my name. Hey, Jesus. Non, Jésus, t'es trop en avance sur ça, tu notes tant. T'es trop en avance. Il reste, il dit que mes brebis connaissent ma voix. Et si tu passes, ça veut dire que tu n'étais pas pour moi. Tu as peur de quoi? C'est les gens-là qui... Oh, elle a pris tous les gens de mon salon. Oh, tous les clients de mon salon, ma chérie. Appelle tes vrais clients, tu vas les voir venir. Appelle-les, ils vont venir, je te dis, je te mets au challenge. Que la reine, je sais qu'elle vous appelle. Je prends l'autre Tanguy, je parle là, je parle. Toute cliente qui est vraiment la mienne, comme ma tresseuse, ma coiffeuse, si est partie avec les clients, je vous appelle. Comme celle qui me tenait mon restaurant, si tu es partie avec les clients. Souvent, tu peux prendre quelqu'un sous ton aile. Tu vois une petite, une jeune fille ou un petit. Tu dis, tu vois quelqu'un d'avenir à l'enfant là. L'enfant arrive. Il ne connaît pas que comme il te voit là, même si tu le dépasses de 5 ans,
Tu as 15 ans d'expérience. Tu y as tombé 78 fois. Tu t'es relevé 82 fois. Donc, plus rien ne peut te faire tomber. L'enfant arrive, il s'assoit dans ton entreprise. Mais, donc tu parles à mon genre comme ça, c'est tout. Tu parles aux gens, te donnent l'argent. Et la reine Jocelyne. Mais je peux parler. Mais je peux parler. Mais moi, je peux parler, moi. Écoutez-moi. Bon, voilà. Okay, la reine Jocelyne fait souvent comment? Ok, elle fait comme ça. Oui. Voilà. Madame, faites comme ça, comme ça, comme ça. Ça marche. Ah, la femme là croyait qu'elle connaît. Moi, elle connaît. Moi, je connais. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Il ne sait pas que comme tu l'as pris là. Je suis une visionnaire. Je suis au Cameroun, le corona n'avait pas encore frappé. J'ai un ami qui avait une école de formation en langue japonaise. Je l'appelle un jour, je lui dis que tu sais quoi? Fais les programmes en ligne. Je lui ai dit ça en septembre 2019. Fais les programmes en ligne. Oublie le local physique. Il dit qu'il maîtrise. Mars 2020, le corona frappe. Il a passé au moins 6 mois au chômage. Un jour, il m'écrit, il me dit, ma chérie, tu sais quoi? Tu es une visionnaire. Tu m'as parlé l'année passée. Si tu écoutais, c'est que quand le corona a frappé comme ça, là, je suis devenu milliardaire. I might be small. Je suis quoi? Je suis petite comme ça, non? Si vous êtes devant moi, je suis petit modèle. Et c'est moi les fesses de Kardashian. Je suis pas trop, je suis là. Je suis là, je suis un bon modèle, oui. Mais la tête, si. Ça. Et qu'est-ce que vous avez? Il faut comme si il connaît rien. Quand tu parles récemment. Il était assis depuis longtemps. Et beaucoup d'entre vous êtes comme ça. On m'a dit, ah, tu es trop exigeante. Tu es trop dure. Tu ne vas jamais te marier. Tu es quelqu'un de femme. Je dis, ah, peut-être que j'exagère. Je commence à douter de toi. Non, ma chérie. Never. Never doubt. Never doubt yourself. Souvent, il reste seul le matin. Donc, c'est comme si les dessins animés se fabriquent devant ma tête, dans mes yeux. Ici, on a construit comme ça, on a fait comme ça. Donc, je reçois le téléchargement divin. Tac, 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 tac. Dans la réunion, madame, mais on fait comme ça, madame, on doit faire. J'ai dit que faites comme j'ai dit. Ok, madame. Le soir, tous les produits qu'on a fait, c'est sorti, c'est fini. Hé, hey, madame. Madame, vous avez raison, elle s'est sortie. Ah, madame, hey. Le truc avec les choisis, c'est que quand tu arrives quelque part, tu te fonds dans la masse. Tu peux arriver, toi, tu as ton petit t-shirt. On te voit, dire, ah, c'est un petit finant. Après, on voit. Un délégué arrive. Il dit, ouais, madame, il se baisse comme ça là. Après, le directeur de telle entreprise vient. Oh, madame, bonjour. On dit, hey. Attends. Ah, Seigneur. Le chemin, c'est là. C'est très long. Je comprends pourquoi Steve Jobs, quand il s'habillait, il avait tous ses habits génériques. T-shirt, Mark Zuckerberg, t-shirt noir. Parce qu'à un moment, tu n'as plus personne à impressionner.
Focus. Focus. Tout ce qui t'importe, c'est de créer. J'ai créé 20 000 pounds la semaine passée. Faut que je crée 40 000 pounds cette semaine. Dès que tu crées, ça arrive là, tu dis yes. Yes, I knew it. Voilà ce qui t'excite, voilà ce qui te plaît. Gars, vous savez quoi? Il faut que laisse ça, il faut que laisse la quantité de soi. Vous savez qu'elle vient souvent par des produits, que utilise ça, touche ça, fait comme ça là. Vous pensez qu'elle connaît ça. Avant, le spirituel, c'est la dernière étape. Le spirituel, c'est la dernière étape qu'ils ont mis sur moi avant de me soulever jusqu'au ciel. Il fait le coaching. Il était pasteur. On est arrivé ici. Je sais que j'ai réaligné vos pensées. Je vous ai réajusté. Maintenant, vous êtes bien calibré. Tout ce qui importe pour toi, tes objectifs. Le reste, basta. Comme Beyoncé disait, the best revenge is your paper. Ta meilleure revanche, c'est ton argent. Dit que la fille est prête. La fille est prête. Elle ne parle pas seulement. Femme d'action. That's my name. Yes. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? À bon entendeur. Et quand vous commencez à devenir sensible spirituellement, vous connaissez quand votre argent arrive. Hey! C'est la partie là qui me plaît. Isaïe 43, verset 18 et 19. Que le Seigneur va faire. Behold, the Lord is about to do something new. Oh yeah, he will tell you about it. Tu te lèves maintenant ça. Today something good is gonna happen to me. I feel it in my bones. Quelque chose de bien va m'arriver. Le jour où j'ai acheté mon tout premier terrain au Cameroun, je me lève le jour là comme ça là. Je sortis sur le lit. Je me mets à la fenêtre de ma maison, on s'est dit que something good is gonna happen to me. J'arrive, pam pam pam, 1 hectare. 2 semaines plus tard, 5 hectares. Inspiré. Goodness. Pleasure. Je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne nuit. Une excellente et une puissante nuit. Recevez vos idées de business. Recevez-la. Quand l'argent vient, quelqu'un vient dire qu'il vient te donner l'argent, dit que j'aime l'argent, argent vient. Écoutez bien. Tous ceux qui me connaissent savent déjà, non? Quand tu viens dire, elle aime l'argent. Oui, même lui-même l'argent connaît. Quand tu aimes un homme et qu'on dit tout le temps à l'homme, elle t'aime, elle t'aime. L'homme là va t'aimer jusqu'à. Bon, je dois aller dormir. Je vais devoir à 5 heures.